Il est 13h, le marathon d'une journée ordinaire de Christophe Leroy se poursuit. Nous sommes ici au Polo Club de Gassin, qui s'ajoute aux multiples autres établissements dans lesquels il apporte sa griffe, à Mougins, à Avoriaz, à Marrakech, à Saint-Tropez. Pourtant, le cuisinier se défend d'être devenu un homme d'affaires. Tu nous fais plein de petites entrées et tu nous fais goûter un plat de chaque pour tout. Ok, allez. Pour ce soir, vous êtes prêts ? Oui. Sûr ? Ouais. Allez. Je compare souvent mon métier à un homme de théâtre qui joue une pièce à un moment, qui joue une autre. C'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des endroits, des équipes, défendre une cuisine, la gourmandise à toute heure, à tout moment. Et évidemment, je ne défends pas la même cuisine à la montagne que celle qui est à Marrakech, que sur un golf, que celle qui est sur un terrain de polo, que dans un bistrot en plein centre-ville. Viscéralement cuisinier, certes, mais un cuisinier qui aime aussi la fête et donc les artistes. Et ce n'est pas un hasard s'il a repris les fameuses soirées blanches d'Eddie Barclay, même s'il réfute son étiquette showbiz. Je crois que dès qu'on fait un peu quelque chose, on est mis dans une case ou dans une certaine étiquette. Le showbiz, ce qui me plaît du showbiz, c'est que ces gens sont des gens très vrais, très sympas, qui par leur vie professionnelle racontent vraiment une histoire. Ils vivent vraiment leur passion jusqu'au bout, qu'ils soient chanteurs, comédiens ou autres, ou artistes. Quand on refait le monde avec eux jusqu'à 3h du matin, et que là, ils se lâchent, qu'ils se mettent sur les imitations, ils se mettent à chanter. Moi, j'ai vu Johnny chanter David Croquette à 5h du matin. Je peux vous assurer que ça vaut tout spectacle. Mais au-delà des paillettes, Christophe Leroy reste fidèle à sa vocation originelle, à son premier établissement qu'il a gardé, même si cet homme pressé voit toujours devant. Quand il y a le train qui passe, il saute dedans, il attrape le wagon et il dit « ce train, c'est pour moi, il n'est pas pour un autre ». Un peu comme ça, on va dire. Le baroudeur. Un baroudeur toujours en mouvement qui a décidé de ne pas courir les étoiles des guides, de créer un laboratoire à Cogolin pour avoir une structure à la mesure de ce metteur en fête boulimique, capable de décorer n'importe quel lieu d'où ce dernier rêve. Tu me fais ta mise en place là. Ça fait longtemps que j'ai envie de construire une espèce de radeau qui serait à 20 mètres du bord de mer et que ça serait une vraie scène où les gens dîneraient dessus et qu'il y aurait juste une passerelle et que le personnel irait les servir. Vous êtes un peu comme un enfant qui s'amuse indéfiniment, j'ai l'impression. C'est exactement ça. Je ne suis pas sûr que j'amuse mes équipes à tout instant, mais en tout cas, moi, oui. Okay.